seule fois. Après, peut-être de la chance, je suis peut-être tombé sur les groupes les moins jeunes, on va dire, les moins cancer. Du coup, c'est moi qui suis cancer, c'est ça qui... Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est quand même. Parce que moi j'ai commencé le jeu la première fois, donc quand des potes m'ont invité pour ce qu'ils voulaient monter un statique pour le lancement de Stormblood. Et franchement j'ai découvert le jeu. Enfin, c'est à ce moment-là que j'ai. Un peu avant la sortie Stormblood que j'avais rushé du 0 au 60. Et c'était. Après les trucs extrêmes. Enfin, les trucs un peu plus durs, enfin extrêmes et brutales, les premières fois j'ai regardé des vidéos, mais en règle générale, les mecs font jamais chier quand tu fais des conneries, ils préfèrent t'expliquer que t'engueuler tout de suite. Donc, ça, y a pas à dire, la communauté de FF, il faudrait qu'elle donne des leçons. Après, il y a toujours des connards classiques, hein, mais c'est. Yo, Ludo! Il y a toujours les connards inhérents à une communauté en ligne, mais c'est. Pour moi, sur FF, c'est pas. Ils sont pas dominants, on va dire. Oh putain, je me rappelle que j'en avais chié sur celui-là. C'est un oppresseur. Il va sur Twitter et il va faire plier des fédéralistes. Oh merde. Putain, un jour faudra que je le passe en japonais ou en anglais. C'est gagné. En japonais je comprendrai rien, mais c'est. Au moins les dialogues en japonais, juste pour aller. Pour faire un peu du over the top, ça va bien. Si j'utilisais mon moteur en téléphone. La lumière rouge, c'est pas bon, c'est ça. Il y a des missiles qui viennent de partir, là, on est d'accord. C'est là-dessus que j'en ai...